Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui nous sommes sur le stand Gigamic, enfin le stand, l'espace Gigamic, puisque Gigamic est un espace dédié pour les pros et c'est vachement cool parce qu'il y a un petit peu moins de brouhaha. Et donc Mathilde, ici présente, nous présente Clask qui est sorti dans l'hiver. Bonjour Mathilde, est-ce que ça va? Mais ça va super et puis je vais essayer de t'humilier à Clask. Voilà. Alors avant de m'humilier, ça serait gentil de me dire comment on joue. Comment est-ce qu'on joue à Clask, qui est donc un jeu un petit peu atypique, puisque c'est un jeu à deux, qui se joue assez vite, j'ai l'impression, mais qui est un jeu très physique, puisque c'est un jeu d'adresse. Non mais par rapport à un petit jeu de cartes, bon... On ne devrait pas finir en sueur quand même, mais oui, c'est plutôt un jeu de dextérité. Eh bien c'est facile, on a trois moyens de gagner des points à Clask. Le premier, c'est d'envoyer la bille dans le but adverse. Hop là, voilà, je vais y arriver. Ah, il est là, voilà. Ça fait, hop, un point. La deuxième, c'est que si tu te retrouves avec deux petits machins blancs, bim, sur ton... Ah oui, parce qu'on n'a pas dit, mais voilà, c'est un des systèmes d'aimants par au-dessus et en dessous du plateau qui permet de conduire. Si tu te retrouves avec deux petits machins blancs, t'as l'air ridicule et du coup, eh ben, tu perds un point aussi. Et tu perds aussi un point si tu tombes dans ton propre but. Voilà, c'est les trois moyens de marquer. Et puis c'est tout. Les points, on les marque ici. Et le premier arrivé à 6 a gagné. Eh ben écoute, on va faire une partie en deux manches gagnantes, en deux points gagnants. Ok, c'est parti. C'est moi qui vais engager. Ah, il faut que je me décèle avant et que je remette ça dans le coin. Et on est parti. Bonne chance, Mathilde. Ah, c'est mieux que la partie de chauffe, hein. Ouais. Non. Ah, Clask. Non, c'est toi qui avance, pardon. Bah du coup, c'est toi qui engage, allez, hop. Attends, pardon, hop. On repart, c'est parti. Ah, t'es pas passé loin. J'ai perdu un autre point. J'ai perdu donc la partie puisque j'ai perdu deux points. On a dit que c'était en deux points gagnants. Félicitations Mathilde. Je m'incline. À bientôt sur Ludovox pour d'autres échecs cuisants.